Hello tout le monde, c'est Dalbo, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le jeu Call of Duty Mobile, comme vous pouvez le voir, mais bon, n'ayant pas un super bon téléphone, c'est un Samsung Galaxy S5, et ben j'avais plus trop de place déjà, et quand j'ai réussi à en faire, ben, le jeu se lançait pas dessus. Donc j'ai essayé tant bien que mal de trouver à le lancer sur PC, j'ai réussi, après maintes essais, à savoir nous sommes sur l'émulateur Game Loop et non pas sur Nox ou... J'avais le nom, bah j'ai supprimé l'autre. Bah, je me souviens plus du nom de l'autre, attendez un instant, j'ai pas envie de chercher. Break, tu sais pas quoi. Bref, on s'en bat les couilles. Du coup, je suis parti sur ça, en fait, simplement Game Loop pour pouvoir jouer. Parce que je voulais vraiment jouer, voir ce que ça donnait. J'ai fait déjà plusieurs parties. C'était pour tester, voir si déjà le jeu tournait correctement. On va lancer avant toute chose et premièrement un Battle Royale. Je vais voir ce que ça peut donner, je vais essayer de combler une partie. Je n'ai jamais réussi à jouer à une partie en Battle Royale à 4. À chaque fois j'ai été exclu de la partie parce qu'il n'y a pas assez de joueurs qui jouent en laissant une place libre. C'est-à-dire que soit ils jouent par 4 ou ils lancent par 3, enfin bref. Vous allez voir par vous-même, on va devoir relancer soit par 2, soit tout seul. Bref, l'idée est que je vais vous montrer comment finalement... Avant toute chose, j'ai envie de vous dire, je joue certes sur PC, mais c'est pas comme si je jouais vraiment sur PC. Alors je sais pas si toutes les autres personnes qui jouent avec un émulateur, ça a découpé à 38, autant pour moi. On va lancer à 2, c'est rapide bien. Les autres personnes qui jouent avec un émulateur ont autant d'assistance, ou ils y arrivent aussi bien. Personnellement, c'est pas comme si je jouais vraiment à Call of Duty sur PC. J'ai, comme vous pouvez le voir, merde, je vais y arriver. Il est en haut à droite à côté de Wolfenstein The Old Blood sur la première ligne. Vous avez Call of Duty World War 2. Vous savez que j'ai déjà joué à Call of Duty sur PC. Je vois clairement la différence. Ce n'est pas un Call of Duty sur PC. Il y a clairement une différence. C'est-à-dire que c'est pas aussi pratique, je dirais. Il est à savoir que sur le multi, par exemple, de base, je ne peux pas. La touche de visée, c'est C pour lancer des grenades. C'est des trucs complètement. Pour viser c'est C, pour s'accroupir c'est pas contrôle, je sais plus quoi. Pour viser c'est peut-être A en fait, c'est pas C. Pour viser je crois que c'est A et C c'est s'accroupir. X c'est la grenade, toutes les touches sont totalement déjantées, je peux pas les changer. J'ai essayé, ça marche pas. Ça marche mais plus aucune autre touche marche. C'est-à-dire que par exemple pour le Battle Royale je peux pas ouvrir mon sac, ça ne marche pas. Ben, vous verrez que quand même c'est suffisamment, je vais pas vous mentir, suffisamment maniable. J'ai joué avec Ed Sly, c'est-à-dire un ami et un collègue du travail, qui s'en sort relativement bien, même très très bien, et sans problème il arrive à faire des meilleurs scores que moi, et je veux dire c'était bien pour ça que je n'ai aucun mal à... Ah oui, il faut surtout pas appuyer sur contrôle, sinon ça nous... ça laisse libre la souris, regardez. Voilà, faut pas appuyer sur le contrôle. Oui, il s'en sort mieux que moi. En jouant sur téléphone, bien sûr. J'ai oublié de préciser. Il joue sur téléphone, il a un meilleur ratio que moi, il s'en sort mieux que moi, et fait... Bref, c'est pas parce qu'on joue sur PC qu'on est meilleur que les gens qui jouent sur téléphone. C'est une question d'habitude, comme toute chose, j'ai envie de vous dire. Et c'est pas parce qu'on est sur PC qu'on peut mieux jouer que les personnes sur téléphone. Il est à savoir que, effectivement, oui, il y a beaucoup de joueurs PC, peut-être un petit peu trop. Il est à savoir aussi, surtout, que... L'anti-cheat a beau être présent sur beaucoup d'émulateurs, d'autres ne l'ont pas. Et c'est-à-dire que beaucoup de personnes qui vont jouer, même des fois sur téléphone, vont disposer d'un... Je crois qu'on peut le cuter. Oui. Vont disposer d'un M-Bot, ou même des fois j'ai eu Wallach. Alors c'est beaucoup plus fréquent d'avoir le M-Bot. J'ai eu une seule fois le Wallach, je vais pas vous mentir. Et c'était simplement assez flagrant. Mais vous vous rendrez compte quand même que le M-Bot aussi, c'est très courant. C'est-à-dire que... Bon, on va dire il y en a un par game, hein, en général, sur un Battle Royale. Mais par contre, sur une partie en normal, une partie match à mort par équipe, j'en avais un toutes les deux games. Mais comme ça, qui, pour le fun, dispose... Il faut appuyer sur la touche virgule. Je sais pas vraiment où aller de base. Je me lâche toujours sur Farm ou Standoff. Je vais aller ici. Pour changer. Pour changer, sachant que je ne suis jamais allé ici. Ou peut-être une fois. On va voir ce que ça peut donner et j'espère qu'il y aura du monde à défoncer. J'étais en train de parler de quoi. Donc l'idée. Ah oui, de VMBot.
Le aimbot, très très fréquent. Genre vraiment choquant à quel point c'est fréquent. Alors il faut savoir que je touche à rien, ça ramasse tout seul. Mais on peut appuyer sur la touche F, mais je sais pas si c'est franchement pratique. Mais je ne touche à rien. J'ai vu le quad derrière, on ira le prendre dès qu'on aura ramassé peut-être une autre arme. C'est pas avec deux chargeurs et une arme qu'on va faire quelque chose. Fusil à pompe. Alors c'est pas très très fluide, hein. Je sais, c'est normal. C'est quand on joue sur téléphone, ça doit peut-être l'être, je sais pas. Mais... putain, beaucoup de choses là. Quand je joue sur PC, je sais pas pour vous là, je trouve que c'est vraiment pas fluide. Ah, il y a bien quelqu'un. Vous voyez à quel point je suis un accro, j'ai vraiment entendu le son. Alors ça c'est un drone, on a plusieurs classes et chaque classe a une capacité spéciale. A savoir celle que j'ai, permet de lancer un drone qui va détecter l'ennemi à proximité et apparemment le stun. Je dis apparemment parce que c'est justement Elsly ajouté à Unity, je ne sais plus ton nom, je suis désolé, qui m'ont conseillé justement d'utiliser ça en solo parce que j'utilisais la classe éclaireur que j'ai trouvé un petit peu abusée. Déjà, alors que si elle est encore pire, j'imagine pas. Mais la classe éclaireur, c'est-à-dire que vous entendiez encore plus les gens qui marchent autour de vous, et vous pouvez lancer une vous pouvez lancer une balise qui avertit des personnes qui sont environnantes. Ah, on va les rejoindre directement ici. Je sais pas pourquoi, j'aime bien aller sur les carrés, je sais plus, pas assez d'énergie. Ah oui, j'ai appuyé sur le pas exprès sur la touche E. Je trouve que le jeu, franchement, pour un jeu de téléphone, je n'ai pas joué à PUBG ou à un autre jeu de téléphone, je ne suis pas du tout jeu de téléphone, comme vous avez pu le constater au début de la vidéo, mon téléphone n'est pas franchement ouf, donc je m'abstiens de jouer sur mon téléphone en général. Mais pour un jeu de téléphone, je trouve excellent. Je trouve vraiment très bien fait. Et sensiblement, j'ai envie de vous dire, ça m'a encore plus pénétré l'esprit de me dire qu'il fallait que j'achète Call of Duty World War. Je bégaye un peu. Call of Duty Modern Warfare pour jouer dessus, justement. Il y a quelqu'un derrière. Alors là, je suis plus que découvert, je suis d'accord. Je l'ai vu. À savoir, vous êtes en train de dire oui, c'est facile. Ouais, ça rame un peu des fois, sinon ce serait trop simple. C'est facile, t'es sur PC, t'as juste à viser, blablabla. Non, non. Il y a vraiment des options pour faciliter les personnes qui jouent justement sur le téléphone. Et je le répète encore, mais Elsly joue. Et aussi facilement que moi. Ça veut dire que je suis pas meilleur qu'un joueur téléphone. Vraiment pas. Alors, j'espère juste que ça va pas crash parce que ça peut arriver. Ça arrive souvent que le jeu crash. En fait, de base, les émulateurs ne sont pas autorisés à faire tourner ce jeu. Et j'en ai utilisé deux autres avant, ils ont... Alors le premier marchait un petit peu convenablement, mais les touches n'étaient vraiment pas paramétrables, on pouvait rien faire. Ça saccadait, des fois même ça faisait crash le jeu, je dirais même plus que souvent. Le deuxième, ça empêchait tout simplement le jeu de marcher. Il pouvait pas se lancer. Ah, bah j'ai amélioré ma capacité. Je sais pas à quoi ça sert, hein. Je l'ai fait une seule fois et j'ai pas pu encore bien m'en rendre compte. Par contre, je vais prendre le sniper, c'est sûr et certain. Oh non, on crash pas maintenant. Et pour en revenir justement au fait que ça crash, le deuxième émulateur ne lançait pas le jeu. Et celui-ci, plus ça va, moins ça va. C'est-à-dire que avant il jouait parfaitement, fluide, 60 fps, là vous le voyez, c'est hyper saccadé. Plus ça va, plus ça saccade, plus ça crash. Plus ça va, moins ça va, pour faire au simple. Alors, je suis en plein milieu de la zone, je vais peut-être aller à Pipeline pour trouver d'autres choses. Parce que je vais pas mentir, j'aimerais un peu d'action pour cette vidéo. Ah ouais, je vois cet endroit, j'y suis passé une seule fois. Sur la droite, c'est ce que j'allais dire, il y a toujours du monde. Alors, je vous le dis tout de suite, hein. Qui me tire dessus à une telle distance, soit prêt juste à recevoir le retour de flamme. Donc là, normalement, ça va me détecter un ennemi. S'il y en a un. Oh non, on crache pas. S'il y en a un à proximité. S'il n'y en a pas, il n'y aura rien. Alors, vous avez vu les gilets, on en trouve souvent. On peut trouver des niveaux 1, mais on peut trouver. J'ai un niveau 2 actuellement sur moi. Mais le délire surtout, c'est qu'on peut trouver un gilet de niveau 3 qui est violet. Et on l'obtient de... soit on peut le trouver comme ici, voilà, on se balade, on chope le gilet de niveau 3. Ou soit on peut le trouver vers des niveaux 1, niveau 2.
Ou soit on peut le trouver simplement en battant un boss qui se situe dans cette zone-là. Si je ne m'abuse, il est par là. Si je ne m'abuse. Hein. Et donc c'est un gros chien qu'il faut abattre. Par un Cerber. Je vais même vous dire, il y a un petit désavantage avec ce PC. C'est que comme vous pouvez le voir au-dessus du logo drone, alors je vais vous montrer avec la souris, ce sera simple, ici. Là, vous savez, le MS, c'est-à-dire la connexion internet, le... Putain, je suis de la chatte. Des fois, on tombe sur des clampins comme ça, hein, qui se la jouent trop et qui finissent par mourir. Je vais parler des MS. Oui, je suis à 50 MS en général, alors que de base, je suis pas censé être autant. De base, en termes de millisecondes, vu que je suis sur fibre optique, je suis à 5 environ, en moyenne, et c'est stable. Je vais pas 47, 55, 50. Alors là, je vais chercher un gros colis, c'est-à-dire un largage. Je viens de casser mon quad, je crois, en espérant tomber sur le Arctic. Regardez, on l'a eu. Alors c'est le même sniper que j'avais, sauf en légendaire. Donc il est plus puissant. Et il vise en affichant les ennemis en orange. C'est dommage, je suis vraiment à la recherche de pélo, j'en ai trouvé que 4. 5 évidemment. Là. Ça rame trop, c'est chiant. Alors, on cherche encore à rejoindre le centre. On est toujours au centre. Ah, il y a un autre colis. Putain, il y a trop de largage ici. C'est plus drôle. Oh là, ce truc. En coop, ça va être génial. Alors, les hélicos, quand on est seul, faut vraiment éviter de les prendre. Là, il y a un hélico, en fait. On le voit là. C'est un hélico. Faut mieux vaut éviter de le prendre. Parce que, bah, seul, c'est galère. Je vous mens pas. Faut le conduire. Faut savoir tirer à côté. Pas sur quelque chose de hyper pratique. Ça manque d'activité, on s'endort. On est au centre là, depuis tout à l'heure on se balade au centre. Je l'ai vu. Clampin. Je vous mens pas, il avait vraiment le moyen de me tuer. Hein. Non mais on est bien en fait, on a vraiment un AK-47 très au petit. Il a une très bonne poignée, il a un bon viseur, on est très très bien. J'aimerais trouver du peuple là à défoncer. On va aller au colis, si bien il y aura du monde. Ce qu'on peut faire même, c'est aller au colis et attendre au colis. Personne, on s'ennuie. C'est bon, j'ai moi en armure de niveau 3. On peut la trouver là-dedans aussi, j'ai complètement zappé. Bah, comme vous avez pu le voir, hein, franchement, pas très 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 compliqué de survivre et d'être dans le top 10. Je vais prendre de la hauteur, je suis avec des armes de longue distance, donc si je peux avoir l'avantage sur des mecs au fusil à pompe qui peuvent nous OS, on n'oublie pas, ou des mecs à la mitraillette. Souvent ce qui arrive aussi c'est qu'on peut tuer par derrière, on s'en rend même pas compte. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas. J'ai envie de tirer des balles en l'air pour que les gens y viennent. Arrêtez de vous entretuer. Y'a personne. On est au centre de la map là, on est vraiment au centre. Ah. Ça a bugué. Yes! Je suis avec un silencieux, je viens de péter, je sais. Je suis avec un silencieux, je vais avoir du mal à me repérer les gens. J'ai pas pensé. Ah, le voilà. Allez, un peu plus de défis. Oh, mais non! Putain, il est mort en une balle, y'a pas de défi! Bon, bah voilà! C'était simple! Y'a pas de défi, j'ai même pas perdu en dessous de la moitié de ma vie. Bon bah voilà, je vous ai montré comment faire simplement et rapidement un top 1. Bon, plus sérieusement, en réalité le jeu est vraiment pas mal, regardez, voilà, top 1, on est content. Mais j'aurais bien aimé me retrouver dans des games avec des gens un peu plus forts. Là je suis qu'en novice, j'ai pas vraiment beaucoup encore assez joué, donc je me retrouve qu'avec des gens qui sont vraiment pas forts. Je sais, on peut se dire, oui, t'es sur PC, c'est facile d'aller démonter des gens qui sont sur téléphone, je vous jure, je vous promets, sur la tête de ma mère. C'est la même chose, je veux dire, il y a vraiment zéro différence qu'on joue
Je me fais vraiment rétam des fois, je fais du 0 pour 6 sans problème. Il y a carrément des gens qui sont sans problème plus fort que moi. Enfin voilà, voilà tout les amis, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo que je vais vous faire certainement sur de la classée. Je vais vous faire de la classée, certainement le nouveau mode de jeu aussi en vidéo. Enfin bref, vous verrez tout ça plus tard, hein, c'est pas pour tout de suite. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous aurez aimé. Bisous, tchuss!